nouvelle vidéo sur Minecraft. Donc dans cette vidéo, comme vous avez pu le constater dans le titre, je vais vous faire visiter ma villa. Donc je tiens à dire, je l'ai fait moi-même et je vous vois venir en créatif. Donc ne vous étonnez pas vraiment. Parce que pour faire ça en mode survie, comment dire, il vous faudrait des mois, même peut-être des années. Donc bonne chance si vous avez vraiment que ça à faire. Je vous y invite. Mais en réalité, je vous y invite absolument pas. Et voilà ma villa. Donc le chemin de gauche est une surprise, hein. Vous verrez à la fin de la visite. Donc pour commencer une allée, moi personnellement j'ai utilisé, si l'envie vous prend de faire un peu comme moi, j'ai utilisé des pierres décoratives pour les fondations. Donc comme vous pouvez le voir, des briques de pierre de l'Ender. Et ensuite j'ai pris du béton blanc, le tout premier, pour les murs. Et le côté un petit peu joli. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez bien le mélange des couleurs. Moi personnellement j'aime bien, mais après c'est votre avis qui m'intéresse. Donc avant de commencer la visite à l'intérieur, une petite piscine alimentée par une source, hein, donc alimentée à l'infini. Le système d'évacuation de l'eau. On va rentrer. Donc le hall d'accueil très grand. Ensuite voilà la première chambre. Donc j'essaie de faire de la déco un petit peu réelle, un lit, un coffre, pour masculin. Donc là je vais juste dormir un coup, je déteste quand il n'y a pas de soleil. Voilà. Donc un petit jukebox quand vous avez des disques et une bibliothèque. Donc l'atelier maintenant. Donc si vous voulez passer en mode survie, il y a tout ce qu'il vous faut. Donc un four, ça, une enclume, un livre de magie, etc. Donc la deuxième chambre c'est la même. On va passer. Donc ça c'est la plus belle vue que vous pourriez avoir, à moins que vous montez archi. Donc ça c'est une surprise, ne faites pas attention. Donc vous voyez une vue panoramique incroyable. Donc là c'est une sorte de petite véranda, donc vous pouvez mettre des tables, venir avec vos amis, vous faire plaisir. Donc là c'est la pièce sécurité, donc quand vous passez en mode survie, ici vous aurez tout ce qu'il vous faut pour survivre. Il y a la nourriture à volonté, donc si avec ça vous tenez pas, franchement, c'est que vous êtes jeté directement dans l'Ender. Une armure, comment dire, la meilleure armure. Et encore de la nourriture. Voilà. Donc là, au cas où si vous voulez dormir tranquille, vous pouvez inviter des amis ou juste descendre en mode sécurité ici. Donc rapidement, avant de passer à la petite surprise, cette vidéo m'a pris un certain temps à faire parce que tout ce qui est là, c'est moi qui l'ai fait de A à Z. J'ai copié sur aucune maison, j'ai vraiment sur rien copié. Donc tout ce qui est barrière, torche, donc ça c'est pas exceptionnel, mais même toute la maison, le design, c'est moi qui l'ai fait avec les petites lanternes. C'était la petite parenthèse. Donc n'hésite pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est en bas de la vidéo, à activer la cloche sur toutes les notifications. Et à lâcher un pouce bleu. Merci. Donc là, petit chemin. Donc là, j'ai verrouillé le passage. En gros, pour faire simple, c'est un village. Donc là, je l'ai appelé Colzil. Donc là, j'ai mis un villageois, mais vous verrez pourquoi j'ai verrouillé. Et vous inquiétez pas, j'ai mis une sortie de secours. Donc ça, c'est une sorte de passage secret que seul vous pouvez emprunter. Les villageois, en gros, ils peuvent pas sortir du village si vous voulez. En gros, en mode survie, ça évite que les villageois aillent se faire tuer et que vous êtes obligé de gérer toute la ville. Donc un petit tunnel. Donc là, hop, faut passer par-dessus. Toc, et après vous courez. Hop là, bienvenue dans le village. Donc là, c'est mon système de sécurité. Ça, c'est made in moi, j'en fais une marque déposée. C'est moi qui l'ai inventé. En gros, c'est vous mettez des pistons sur les côtés, collant ou pas collant, ça change. Un levier sur chaque truc, hop, y a rien qui peut entrer ou sortir. Après, si vous voulez, vous pouvez faire ça sans. Juste deux suffisent, c'est juste que ça fait quand même un peu plus logique de mettre. Donc, bonjour, toi, coucou, coucou, tu es vide, tu es moche. Donc ça, c'est le village que j'ai fait pour mes villageois. Donc le puits, d'où le passage secret. Donc même en mode survie, hein, vous tenez votre respiration jusqu'en bas. D'accord, je ne savais pas que j'avais demandé un œuf. Voilà.
Donc là, le petit enclos pour les animaux, comme ça vous aurez du rose beef au dîner. Non, je rigole, hein. Découpez pas vos animaux, les pauvres. Donc une église. Là, vous voyez, même lui, il est en train de faire sa prière. Au revoir, au revoir toi. Au revoir. J'ai dit au revoir. Au revoir. Donc ça c'est vraiment moi qui l'ai inventé, j'essaie de faire comme dans la réalité. Comme ça celui qui est là, il est là. Il parle. Donc ça c'est des petits sièges. On peut pas s'asseoir dessus, mais c'est moi qui faut imaginer une histoire entre peuples ou juste vous tout seul. Donc, la petite parenthèse. Donc là j'ai mis des panneaux, hein, pour se repérer. Bonjour microbe. Donc un petit potager. Donc là ça attend juste d'être récolté. Et c'était leur maison. Donc des lits. Pardon. Désolé. Donc un coffre, comme je disais, encore pour stocker des objets. Donc des lits, encore une fois, pour dormir. Bah voilà, j'ai fait à peu près le tour. Donc Donc je me suis donné un objectif, je vais pas le dire parce que ça se trouve je l'atteindrai jamais, ou alors je l'atteindrai assez rapidement. Si j'atteins un certain nombre de pouces bleus, ou si dans les commentaires vous voulez, si vous voulez une autre vidéo sur des passages secrets où vous pouvez faire en mode survie, ou si vous voulez soit vous amuser avec des amis, soit faire des batailles, soit troll, mettez-le moi dans les commentaires. Je laisserai de vous faire plaisir. Donc je vous mettrai des passages secrets, de quoi troll vos amis, vous amusez avec. Donc voilà, c'était l'exploration de ma villa, plus le bonus du village. Bon, bah j'espère que cette vidéo vous a bien plu. Je vous invite fortement à lâcher le petit pouce bleu, à cliquer sur le bouton s'abonner, on ne dit jamais trop de fois, et activer la cloche sur toutes les notifications. Merci de me regarder. Et je vous dis à la prochaine fois. Et rapidement, petite parenthèse, juste avant de se quitter, mettez-moi dans les commentaires si vous voulez une autre vidéo. Et si juste, ça vous a plu. Allez, au revoir. Merci de m'avoir regardé.